Salut à tous. Eh bien, petite vidéo, on est le 18 février. Là, je fais une visite de printemps, donc je contrôle l'état des colonies à la sortie de l'hiver. Et ben, je vais vite fait vous faire profiter de ça avec moi. Donc on va ouvrir un essaim et on va un petit peu regarder ensemble, contrôler l'état du couvain, des abeilles, voir si tout va bien. Voilà. Je suis déjà passé ici il y a une dizaine de jours. C'est un nouvel emplacement. Il est aux abords de la miellerie. Malheureusement, ça n'a pas été un super hiver ici. J'ai eu un petit peu de mortalité. Vous voyez, par endroits, il manque des ruches, des ruchettes. Ben, c'est celles qui ne sont plus là. Mais les autres, celles qui ont passé... qui ont tenu le coup, elles sont en pleine forme. Et voilà, donc là, 10 jours après, bon, on va vite fait en ouvrir une où il y a pas mal d'activités à y être. On va l'ouvrir ensemble et ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, je mets la caméra dans la poche. Hop. Les gants. Et c'est parti. Celle-ci m'a l'air très bien. C'est une belle activité. Donc on est sur des rennes de l'année dernière. La renne est marquée. Elle a fait du châtaignier. Elle a fait du tournesol. Et après elle a passé l'hiver ici. Donc on va regarder un petit peu où elle en est. J'espère que la caméra est bien placée. Tac. Hop. Bon, ça a l'air pas mal. On va profiter de la météo pour un petit peu sortir quelques cadres. Il fait très doux aujourd'hui, 18 février. Bon, au thermomètre de la voiture, ça marquait 19 degrés. C'est pas dit que ça dure, donc autant en profiter. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un cadre de rive. On voit qu'il y a des réserves de miel, de pollen, il y a du nectar tout frais qui est rentré. Là, vous avez les réserves de miel. Là, on voit un petit peu le pollen. Et au milieu, j'essaye de zoomer, mais je ne sais pas trop. C'est les petites gouttes qu'on voit, c'est du nectar. Donc, c'est des choses qui viennent de rentrer récemment. Voilà. Elles m'ont l'air en pleine forme, ces petites abeilles. Ben, c'est super. Allez, on va continuer. On va essayer de voir l'état du couvain. Donc le couvain sera un petit peu plus vers le centre de la ruche. Donc pareil, de belles réserves de pollen, des abeilles en pleine forme, de belles réserves de miel aussi. C'est super. Bah, elle s'active, hein, elle se prépare pour faire une belle saison. Normalement, on devrait pouvoir voir la reine, puisque j'ai vu sur le toit qu'on avait noté qu'elle était marquée. Donc on devrait facilement la voir. C'est qu'on me le demande souvent. Donc là, si tout va bien, on devrait la voir. Donc là, bah, c'est du couvain, ce que vous voyez au centre du cadre. Là, tout ça ici, c'est du couvain. Donc la reine a pondu. La ponte est operculée, elle est recouverte, hein, refermée. Les œufs deviennent larves et les larves deviendront abeilles. Hein. Voilà, bah tout se présente bien. Les abeilles en pleine forme, semble-t-il.
les filles. Hop. Allez, on continue. Donc un deuxième cadre de couvain, il est très joli. Je regarde si je vois de la maladie, mais je n'en vois pas. Enfin, mes abeilles sont en pleine forme, ça fait toujours plaisir. J'espère pouvoir vous montrer la reine. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tac. Bah, c'est super. Allez, on continue. Peut-être sur ce cadre, la reine. Donc un troisième cadre de couvain. Celui-ci est plus récent, il est plus petit. Bon, c'est une colonie qui sort très bien de l'hiver. Ça. Pète le feu ici. Ah ben la voilà, la reine. Allez, je vous donne un indice. Elle a un point blanc sur l'abdomen. Est-ce que vous la voyez? Hop. Au bout du lève-cadre, là. Elle est là. Bon, comme vous voyez, sa taille est un petit peu supérieure à celle des ouvrières. Et là, elle inspecte les alvéoles. Elle cherche un coin pour pondre. À moins qu'elle cherche à se planquer parce qu'on la dérange, ce qui est fort possible. Donc je vais ranger le cadre tout de suite et on va les laisser tranquilles. Donc voilà, ben, petite visite de printemps sur des essaims de l'année dernière. Ben, vous avez pu voir que nos abeilles sont en pleine forme. Il n'y a pas, il ne semble pas y avoir de présence significative de maladies. On a du couvain, elles ont des réserves, elles ont à manger. Elles ont des réserves de miel, de pollen. Elles sont en train de rentrer du nectar. Donc, très positif tout ça. Allez. Hop, on referme délicatement. Et voilà. Allez, je vous ferai d'autres vidéos à l'occasion. Là, malheureusement, il faut que j'avance et que je vous laisse. Allez, salut !